La vie à la ferme, quel bonheur! La nature, le chant des oiseaux, la verdure. Quelle chance de redécouvrir ce merveilleux spectacle chaque matin. Les vaches sont des animaux paisibles qui aiment vivre en groupe. Avec mes copines, on peut dire que nous sommes heureuses de vivre ici, sur l'exploitation. Ah, au fait, moi, c'est Framboise. Je suis une vache Primolstein. Je suis sûre que vous avez déjà croisé l'une d'entre nous un jour sur votre chemin. Une vache qui parle? Et pourquoi pas? Je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Bienvenue dans ma vie de vache. Je suis née le 5 septembre 2015 sur l'exploitation. J'étais un beau bébé de 45 kilos. En quelques heures, j'étais déjà debout. Mes éleveurs disent souvent que je suis débrouillarde. Pendant les 15 premiers jours, j'ai dû apprendre petit à petit à me débrouiller toute seule. C'était de nouvelles sensations incroyables et le début d'une belle amitié. Entre 15 et 60 jours, je suis passée en case collective. C'est notre maternelle à nous. On apprend la sociabilité, on se fait de nouvelles copines et on se rapproche encore plus. À cet âge, on déborde tellement d'énergie. J'ai besoin de faire du sport et je ne pense qu'à une chose, jouer. La ferme est un vrai cocon rassurant pour nous. On mange bien et tout est fait pour qu'on passe de bons moments ensemble. Bref, on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai maintenant 60 jours. Je passe en primaire. On appelle ça la phase d'enrichissement et j'y resterai jusqu'à mes 6 mois. C'est une période importante pour moi et mes copines pour que nous soyons en pleine forme plus tard. Savez-vous que tout notre avenir se joue sur ces 6 premiers mois? C'est pour ça qu'on s'occupe davantage de nous. Là, j'ai 15 mois environ. Je pèse alors 400 kilos. Je suis heureuse car dans 9 mois, je serai prête à faire du lait. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 6 ans et je vais vous raconter mon quotidien. Réveil à 6h30. Bon, certains matins, ça pique un peu, mais on a du boulot. Quelques petits étirements et direction la traite. Ça, c'est notre salle d'attente. On attend notre tour ici quelques instants pour éviter la bousculade. Et après, c'est parti. Ici, c'est la salle de traite. Avec les copines, on vient ici 2 fois par jour. Le matin à 8h et le soir à 17h. Nos éleveurs prennent soin de nous et récupèrent notre bon lait avec délicatesse. Même que des fois, ça chatouille.
Pendant ce temps, plein de choses se passent. Nos éleveurs, ils changent nos draps et refont nos lits pour la journée. Oui, c'est important d'avoir un nid douillet tout propre. Et puis, il y a le ménage aussi. On en profite pour nettoyer les sols. À la ferme, rien ne se perd. Nos déjections servent à fertiliser les champs. Si ça, ce n'est pas écologique. Allez hop, petite crème de jour et la traite est terminée. C'est parti pour le petit déjeuner. À table! Notre alimentation se constitue essentiellement d'herbes, de foin, de maïs en silage ou de céréales. Et ça change à chaque saison. Un vrai régal! Nos éleveurs aiment qu'on mange varié et équilibré pour faire du bon lait. Après ce délicieux repas, c'est l'heure de sortir au grand air pour se dégourdir les pattes avec les copines. Plusieurs mois par an, on sort dans les pâturages, sauf quand il fait trop froid ou trop chaud. Bah oui, on est sensibles, nous les vaches. Quelle douceur de vivre ici! Parce qu'attendez, on a même droit à des ventilateurs, des brumisateurs et même des massages. Tout est fait pour notre bien-être, pour qu'on se sente comme des vaches en pâte. Ah, il est 17h, c'est l'heure et c'est reparti pour un tour. Bien douillé, comme c'est agréable. Allez, dodo. Après une journée comme ça, on a besoin de se reposer et faire de beaux rêves. Et voilà, vous savez tout, ou presque. C'est parce que nous sommes bichonnés que nous produisons le délicieux lait que vous adorez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir, le temps d'une journée, vécu ma vie de vache. J'espère que vous penserez à moi lorsque vous dégusterez votre verre de lait. Au revoir, les amis.